si vous voulez, je peux revenir quelques instants sur cette crise, hein, que l'on connaît très bien. C'est ça qui est intéressant. Si on ne savait rien sur la manière dont les gens vivent leur travail aujourd'hui, on pourrait comprendre que le gouvernement fasse ce que moi je considère comme des erreurs. Mais on a absolument toutes les données sur ce qui se passe au travail. Parce que le travail, c'est pas l'emploi. Le travail, c'est une réalité subjective. Bah, l'emploi, c'est un agrégat économique qui va plutôt avoir qui va être lié à l'activité, qui va être lié au chômage, qui est un vrai sujet et qui reste un vrai sujet, hein, notamment avec des taux de chômage qui sont diversifiés selon les territoires. Donc ça reste un vrai sujet, notamment l'insertion professionnelle des jeunes et la question des seniors. Mais là, quand on parle de travail, c'est effectivement la réalité subjective, intime et collective du travail. Donc c'est le travail qui paye, c'est le travail qui donne du sens, c'est le travail qui crée du lien, c'est le travail qui est soutenable tout au long de la vie, c'est le travail qui ouvre des perspectives. C'est la vie, quoi. Et c'est vrai que le travail a été, je le pense, un impensé politique de la question économique et sociale de ces dernières années. On a beaucoup parlé de la réduction du temps de travail, d'ailleurs sous l'angle plutôt de la lutte contre le chômage. On a beaucoup parlé de la lutte contre le chômage, et c'était normal. Ça a été un vrai fléau. On a parlé plus récemment à la faveur de l'inflation. Et naturellement, et il faut continuer. Et on a parlé du partage de la valeur ajoutée à la faveur de l'inflation. Mais il faut maintenant parler du travail, des conditions de travail, de pénibilité, d'usure professionnelle, d'accidents du travail qui sont un vrai, vrai sujet en France, de la formation professionnelle qui ne marche pas. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets sur la table et qui vont prendre du temps. Parce que si on veut aller dans la négociation et pas dans la concertation, le temps social n'est pas le même que le temps politique. Il reste du chômage. Et naturellement, et il faut continuer, et il faut continuer. Le travail, c'est une réalité
subjective. Bah, l'emploi, c'est un agrégat économique qui va plutôt avoir lié à l'activité, qui va être lié au chômage, qui est un vrai sujet et qui reste un vrai sujet, hein, notamment avec des taux de chômage qui sont diversifiés selon les territoires. Donc ça reste un vrai sujet, notamment l'insertion professionnelle des jeunes et la question des seniors. Mais là, quand on parle de travail, c'est effectivement la réalité subjective, intime et collective du travail. Donc c'est le travail qui paye, c'est le travail qui donne du sens, c'est le travail qui crée du lien, c'est le travail qui est soutenable tout au long de la vie, c'est le travail qui ouvre des perspectives. C'est la vie, quoi. Et c'est vrai que le travail a été, je le pense, un impensé politique de la question économique et sociale de ces dernières années. On a beaucoup parlé de la réduction du temps de travail, d'ailleurs sous l'angle plutôt de la lutte contre le chômage. On a beaucoup parlé de la lutte contre le chômage, et c'était pas mal. Ça a été un vrai fléau. Du chômage. Et naturellement, et il faut continuer.